évidemment, l'absence médiatique, le fait qu'on soit complètement squeezé, ça nous complique la tâche pour les parrainages, puisque un élu, ben, il va parrainer plus facilement un candidat qui fait partie du paysage. S'il ne fait pas partie du paysage, si on n'en parle jamais, s'il ne sait même pas qu'il est candidat, c'est évident que ça nous complique la tâche. Donc voilà, il y a tout un système là qui pose quand même des sérieux problèmes. Et donc, encore une fois, on n'est pas là pour pleurer, pour se plaindre, pour dire, regardez, on est les petits, machin, c'est pas sympa, parce que de toute façon, nous, on n'est pas sympa avec la société, donc il n'y a pas de raison qu'on soit sympa avec nous. Mais on n'est pas sympa avec les capitalistes, c'est les capitalistes qui possèdent les gros médias, donc on n'attend pas un retour, déjà c'est sympa, on attend juste en retour un respect des règles démocratiques, et c'est pas le cas. Donc voilà, c'est ça qu'on a envie d'exprimer. Donc oui, il y a une dénonciation de tout ça, de tout ce qui contribue à ça, et au bout du compte, ouais, bon, on va vers, c'est peut-être ça aussi la volonté, un système complètement antidémocratique comme aux États-Unis où il n'y aura que 2-3 gros milliardaires qui peuvent se présenter, et puis le reste ça compte pas, et puis voilà, puis après on a le rouleau compresseur qui écrase tout le monde. Non, ben, nous on essaie de se heurter à ça, donc la participation aux élections, on s'aperçoit que c'est aussi un combat, mais c'est la continuité du combat qu'on mène au quotidien, voilà, d'exister, d'arriver à vivre et à se défendre nous-mêmes, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, donc on tient aussi à formuler tout ça maintenant.